Bonjour, aujourd'hui je vous propose un mouvement qui est le mouvement de l'ivrogne qui empêche l'autobus d'avancer. Et je vous dis que je me suis jamais utilisé l'aïkido physique dans la rue, c'est faux. En 54 ans de pratique, je l'ai utilisé une seule fois, quand j'étais ceinture noire premier dan depuis à peine 2 mois. C'était pour conduire une personne en dehors d'un lieu où elle n'était pas désirable. Quoi. C'était un endroit, une maison de jeunes où elle mettait un petit peu le bazar, il fallait juste l'emmener dehors. Et j'ai utilisé cette technique-là. Voilà, c'était pas exactement le même début, mais le principe est le même. Donc, vous êtes conducteur d'autobus. Vous la voyez, la route jaune, là, un petit peu plus loin peut-être. Ouais, voilà. Vous arrivez avec votre bus, 50 enfants qui sont derrière, qui vont à l'école. Mon Dieu, un ivrogne, tut tut, il ronfle, tut tut. Vous dites aux enfants, bougez pas, je m'en occupe. Vous descendez. Vous mettez l'individu sur le ventre, ici. Après, cette main, vous l'attrapez ici. Et là, tout simplement, vous remontez. Et ça monte tout seul. Après, vous prenez l'individu, vous le conduisez au poste de police ou bien tout simplement en dehors de la route. Voilà, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous le recouchez, ici. Voilà. Vous lui dites, dodo bébé. Voilà. De continuer à cuver son vin. Vous remontez dans votre autobus et vous conduisez les enfants à l'école qui vont arriver à l'heure. Merci beaucoup. C'était notre histoire du samedi. Rendez-vous samedi prochain.